you? Salut à tous, c'est Ralga pour ce 11e épisode de Regard dans le rétro sur Pokémon Jaune. Donc, nous sommes à Safrania. Nous avons battu la championne locale, c'est-à-dire Morgane et ses Pokémon Psy. Et nous allons, dans cet épisode, nous occuper de Parmani, avec donc le Safari et le champion d'arène de Parmani, qui est Koga, spécialiste des Pokémon Poison. Donc, comme souvent dans le début de mes épisodes, je vais faire du ménage. Je crois que ça doit être ce que j'ai fait dans l'épisode précédent et peut-être dans celui d'avant encore. Je sais plus. Donc, le Master Ball ne m'intéresse pas. En fait, je pourrais stocker les. Ouais, bon, allez. Et CT46 aussi ne m'intéresse pas. Et donc, comme je disais dans l'épisode précédent, je vais récupérer Loclass parce que Nidoking ne m'intéresse pas. Loclass qui est là en fait. Voilà. Bon, il est level 15. Ça va être un peu juste, il va falloir que je l'up. Sachant que j'ai également le Reptincel et le Pikachu à up. Hop. Oui, donc. Pour aller à Parmani, nous avons deux routes possibles. La piste cyclable entre Céladopole et Parmani donc, et la route à l'est dont je sais plus le numéro, avec beaucoup de dresseurs et de pêcheurs. Donc je vais plutôt passer par la piste cyclable parce que c'est plus rapide déjà, parce qu'on a beaucoup moins de dresseurs, et en plus ça c'est beaucoup plus linéaire. Hop, donc je vais éviter le plus de dresseurs possible, hein, comme d'hab. Hop. Oups, ah baf. Le problème là, c'est que du coup, je descends tout seul, la piste cyclable est en pente. Et j'ai pas réussi à m'arrêter avant. Oh, un loup-bar. Fer au singe. Qu'est-ce que j'ai en premier Pokémon? Ronflex. Par contre, je vais devoir changer parce que... S'il me fait des attaques combat sur mon Ronflex de type normal, ça va faire un peu mal. Hop, balayage. Pas d'effet sur Spectrum, c'est dommage. Hop. Et un Colossinge. Pouf, pouf, pouf. Bon bah, Reptincel pour l'XP, hein. Hop. Hop, on remet le spectrum. Pas d'effet non plus. Et bah psycho, hein, parce que ça fait toujours du mal psycho. Voilà. Donc loup-bar vaincu. Et on descend. Vous pouvez voir si je galère un peu à remonter. Voilà. Je vais éviter ce dresseur. Hop. Et bah, nous sommes quasiment en bas. J'en ai bien l'impression. Hop. Et hop, bicyclette. Et nous sommes directement à Parmani. Ah bah, je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Dans mes souvenirs, c'était un peu plus long. Bon, là, je vais aller au centre Pokémon, même si j'en ai pas particulièrement besoin. Uniquement pour que si je fais tunnel, je revienne à ce centre Pokémon-là. Alors, par contre, je ne sais plus s'il suffit que je rentre dans le centre Pokémon
ou que je soigne pour que ce soit pris en compte. Donc dans le doute, je vais soigner. Hop. Notamment là, je vais aller faire le safari donc. Et ça me permettra du coup de revenir directement une fois à la fin du safari. J'aurais pas besoin d'attendre le nombre de pas ou le ou tout ça quoi. Mais je vais sauvegarder aussi, hein. Même si ça je pourrais le refaire. C'était pas très 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 dur. Hein. Hop. Hop là. Ah non, c'était pas par là. Voilà. Donc, si les gens connaissent pas le safari, j'en doute hein, si vous regardez ces vidéos. Pas de Pokéball, pas de Pokémon tout court. Juste des cailloux, des appâts et des Safari Balls. Sachant que du coup l'appât, alors l'appât réduit la probabilité que le Pokémon fuit, mais le rend plus difficile à attraper, et le caillou rend le Pokémon plus facile à attraper, mais il a également plus de chances de fuir. Donc faut bien doser, et en fait c'est totalement du bol. Donc sur des Pokémon vraiment très très durs à attraper, genre parce qu'ils sont très rares et ont une probabilité de capture très très faible, genre le Vénard, Kangourex, Tauros, je sais plus, j'en ai peut-être d'autres, mais c'est ceux que j'ai en tête là. Ceux-là sont très 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 durs à attraper. C'est dommage puisque le Vénard est probablement l'un des Pokémon les plus puissants de la première génération. En effet, donc c'est un sac à PV un peu comme Onflex. Et en plus, il a une stat de spécial qui est gigantesque. Je rappelle qu'en première génération, le spécial englobe la défense spéciale et l'attaque spéciale. Donc grâce à son pool de PV, il tanque assez bien les attaques physiques. Hein. Même si c'est pas exceptionnel, mais du coup son CPV plus son spécial gigantesque font qu'il résiste très 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 bien aux attaques spéciales. Et c'est très très courant les attaques spéciales. Et du coup comme son spécial est très élevé, ses attaques spéciales également sont over méga cheatées. Si je puis m'exprimer ainsi. Mais bon, vu qu'il faut bien 2 ou 3 heures pour réussir à en choper un si on n'a pas de bol, au moins. Je vais pas essayer du tout. Oups, je voulais pas faire Safari Ball. Ouais, en plus sur un Nidoran quoi, le truc que j'en avais rien à fiche. Hop. Oh, une CT. Hop. J'aurais dû acheter du repousse, ça aurait été très bien. Mais comme on peut fuir directement et qu'ils nous retiennent pas, c'est pas beaucoup de temps perdu. Hop. Hop, on va prendre la fuite, on descend. La dent d'or, objet important. C'est D32, je ne sais plus ce que c'est. Et nous sommes déjà en fait à la fin du safari. Donc avec le PNJ qui va nous donner la 1603 Surf. Vraiment l'une des CT les plus utiles. Parce qu'elle a une attaque pas dégueulasse. Quand je dis pas dégueulasse, c'est vraiment pas dégueulasse, c'est du niveau de tonnerre, de psycho, de séisme, enfin de toutes ces attaques cheatées de chaque type. De laser glace, voilà, j'en oublie. Et puis en plus on peut l'utiliser à l'infini vu que c'est une CS. Voilà. Donc je vais aller directement voir pour choper force.
Je suis le grand maître du... Ah, purée, c'est pas lui, c'était dans la maison d'à côté. Ah bah, c'est tombé bien, sa canne à pêche, je m'en tamponne. Par contre, il faudra que je fasse de la place, du coup. Coup de crâne. Il me semble que c'est assez... C'est pas mal, ça. Ça fait pas mal de dégâts, mais ça prend... Il y a un tour de charge. Ouais, il me semble que ça fait très très mal. Bon, allez, puis, de toute façon, ce genre... ce sera toujours mieux que Mimikyu. Hop. Ah, voilà. Donc le gardien récupère ça d'Andorre, il va me donner la CS04, je crois. Enfin, celle qui contient force. Hein. Bien la 04. Hop. Donc on va protéine qui up la force ou la défense. Ok. La force sur Onflex. Ça fera toujours plaisir quand il fera coup de boule ou plaquage. De toute façon, c'est le seul à avoir des attaques physiques. Surf donc à Ronflex. Qu'est-ce que oui, Ronflex va prendre surf. En plus de laser glace et tonnerre. Voilà. Surf, on va la prendre également à Loclass. Et force, on va la prendre à Reptincel. À la place de... À la place de Griffe. Voilà. Donc on va en profiter pour récupérer l'objet qui est ici. Donc force. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben super bonbon, c'est cool ça. Je vais l'utiliser tout de suite sur bah, Reptincel. Hop, bicyclette, il faut que je refasse le tour. Voilà. Donc, je vais aller dans le centre Pokémon juste pour sauvegarder. Parce que je préfère sauvegarder tout le temps dans les centres Pokémon, au moins je sais que je suis dans un endroit safe et tout. Hop. Voilà. Et on va maintenant, vu que ça fait même pas un quart d'heure de vidéo, on va aller faire le champion de l'arène qui est juste à côté. Donc Koga. Voilà. Donc il y a des murs invisibles même si on les aperçoit. Mais il y a quelques dresseurs que je ne peux pas éviter, contrairement à l'arène de Safrania où j'ai pu éviter tous les dresseurs avant le champion. Purée, soporifique. Pof, pof. C'est vachement un Pokémon poison ça, tiens. C'est peut-être un Pokémon poison en fait, je sais plus. Enfin, dans ma tête c'est surtout un Pokémon psy. Oh, je l'ai fait assez mal. Bon, évidemment le problème de Ronflex c'est qu'il attaque toujours en deuxième, vu qu'il est méga lent. Hop. Oh, l'animation de surf, quoi. Le truc minimaliste. Soporifique. Bah, Reptincel toujours pour de l'XP. Ronflex. Coup de boule. Bon, Ronflex va le tanker, ça, il n'y a pas de souci. Je flipperais un peu plus s'il me faisait un psycho dans la tronche. Purée. Pourquoi?
Quoi? Ouais, mais en plus, là, du coup, maintenant je fais tonnerre sur Kadabra, le Pokémon avec le plus de spécial. Avec énormément de spécial aussi, quoi. Du coup, je lui fais rien avec une attaque spéciale. Par contre, Koboul va lui faire mal. Voilà. Parce que lui, là, par contre, il a pas de def, tout court, de défense physique. Forcément, coup de boule va lui faire très très mal. Je pense que Kadabra n'a pas énormément de PV non plus, il me semble. C'est risqué. Mais. Ouais. Tiens, j'ai pas eu la première partie de l'animation. Ça va être chaud. Gaz toxique. Empoisonné, ok. Et il reste un soporifique, c'est original. Je vais essayer de le tuer, même si j'ai une grande chance de mourir. Genre maintenant. Voilà. Hop. Tunnel. Alors, ce n'est pas un Pokémon poison. Sinon, l'attaque de type sol aurait été très efficace. Donc, à moins que les attaques sol soient faibles contre les psy, mais il me semble que non. Auquel cas, le très efficace aurait été compensé par le peu efficace. Je sais pas si je suis clair. Enfin, bref. Manifestement, ce n'est pas un Pokémon poison. Donc, il faudra m'expliquer ce que fait. Ce dresseur a que des soporifiques dans cette arène. Oui, donc je vais soigner mes Pokémon hein, parce que je flippe un peu, je vous l'avoue, sur cette arène. Je sens que je vais en chier beaucoup plus que l'arène de Morgane. Hop. Lui, je viens de le faire. Lui, je l'évite. Lui, je l'évite aussi. Par contre, le suivant, je ne pourrais pas l'éviter. Blablabla, ninja. Ninja! Un jongleur avec deux Pokémon, c'est mieux. Purée, encore un soporifique. Tu es très chiant, dresseur. Je sais pas si c'est gérable au Reptincelle. Peut-être que si. Hop. Ouf. En fait, faut que je joue la chance. Faut pas qu'il fasse un psycho maintenant. Coup de boule, je sais pas si je le tank. Si, je le tank. Choc mental. En fait, j'ai évité les attaques psy, donc ça me va. Ah non, 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 non. Celle-là, je l'ai pas évité par contre. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Bon, là, ce serait vraiment. LOL. Oh purée, il a une hypnomade. Ok. Bon, par contre, ça va rien lui faire. Voilà. Hop. Au moins il aura l'XP pour Hypnomade. Surtout qu'il est level 15 et que lui il est 34, donc ça fera plaisir. Pareil pour le Reptincelle qui aura l'XP. Hop. Ouais. Alors. D'accord, c'est un one shot. D'accord. Hop, un petit tunnel. Là, ça devrait l'achever. Voilà. Hop, pas mal d'XP pour Reptincelle qui monte level 26. Et Hypnomade.
non. Comme ça, Reptincel et Locla auront de l'XP. Ah. Oh putain. Voilà. Bah, on flex. Espérant qu'il tanque un peu. Choc mental, normalement, c'est bon. Il le tient. Voilà. Je sais pas trop. Hypnomat, je sais, j'arrive pas à trop savoir comment sont ses stats. Donc, manifestement, ça lui fait pas grand chose. Il doit avoir pas mal de spécial aussi, comme Kadabra. Ouais, par contre, il a pas de def. Hein. C'est comme Kadabra. Hop. Voilà. Le Reptincel, Ronflex. Oh, mais. Je, tu te fous de ma gueule. Loclas a fait des dégâts à Hypnomad. Avec un surf. Oh putain. C'est bizarre. Il me semblait pas que le fait de changer de Pokémon, ça resetait les Pokémon qui avaient fait des dégâts. Il me semblait pas. Ouais, bah bizarre. Donc on va soigner tout ça. Et on va pouvoir s'atteler au champion d'arène. Qui va être assez compliqué. Dans mes souvenirs, il est assez fourbe. Pour une raison très simple. Alors si je dis pas de bêtises, il a 3 Mémitos et un Aéromite. Donc des Pokémon insectes poison. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Pokémon insecte poison. L'arène est une arène poison en théorie. Sauf que c'est 4 Pokémon dans la version jaune ont Psycho ou Rafale Psy ou même Ultrason je crois pour un ce qui fait que bah on sait pas trop ce qu'on va se prendre dans la tronche quoi, soit du poison soit du Psy et le Psycho c'est un one shot quoi. Ça que j'aime pas dans cette arène, contrairement à celle de Morgane, même si c'est des Pokémon psy, donc forcément cheaté, bah au moins c'est que du psy quoi, donc tu sais à quoi t'attendre. D'accord. Ah ouais, par contre ça a beaucoup moins de spécial que Hypnomad et Soporific, donc du coup ça me one-shot pas. C'est très bien. Ça par contre ça va me tuer. Purée, et puis il est obligé de faire deux psychos d'affilée quoi. Bon. Trio Picker. Donc là, faut compter sur le type poison des Pokémon en face. Donc avec une attaque sol qui est très efficace contre eux. Oh purée. Bon. Bon là j'ai la solution géniale pour ça, donc la Pokéflûte. Pour ça que j'avais pas besoin de réveil dans la vidéo, dans l'épisode précédent. C'est... LOL. Bon. Tu vas me laisser attaquer peut-être. Ouf, purée. Sachant que j'ai l'avantage de la vitesse, donc je le tue. Hop, on va enchaîner, donc il enchaîne avec un Mimitos. Bon, on va pas jouer les switch de Pokémon, parce que c'est des coups à se prendre des dégâts qui one-shot. Donc ce Mimitos a 2 levels de plus. Alors, séisme lui enlève toujours la moitié de sa vie, donc un deuxième séisme va le tuer. Et en plus, Ultrason a raté, tant mieux. C'est comme une folie, c'est vraiment une attaque de merde. Hop. Hop, un petit séisme encore. Ouais. Hop. Attaque plus, c'est bien, ça va me permettre d'attaquer.
Parce qu'évidemment, normalement, il aurait pu m'attaquer juste après l'utilisation de la Pokéflûte. Mais ce n'est pas le cas. Donc, Mimitos jarte aussi. Mimitos, troisième du nom. Et il doit rester un Aerobite. Qui est aussi un insecte poison, même si on aurait tendance à lui mettre un peu de vol. Non, non, c'est un insecte poison. Level 50 quand même. Je pense que Triopiqueur va prendre cher. Ah, il l'a tanké quand même. Bon. Bon, ça va lui enlever un autre tiers de vie, voilà. Bon, là par contre, Triopiqueur va mourir. Mais ce serait l'occasion de choper de l'XP pour un Pokémon, donc ce que... Pikachu, ma vive attaque pour avoir l'avantage. D'accord, je pensais pas lui enlever aussi peu. Puis forcément, faut qu'il fasse Psycho en face, donc voilà, one shot du Pikachu. Spectrum, mais si je me prends un Psycho, c'est un one shot aussi. Ah purée, c'est Aerobite qui attaquait en premier. C'est un one shot de Spectrum. Bon bah on flex. Ah bah voilà. Voilà, donc mort d'Aéromite. On flex niveau 32. Bon, pas lui que je voulais up particulièrement. Voilà. Le bash âme, blablabla, 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 blablabla. C'était 06 qui doit être toxique. Que je vais peut-être apprendre à un Pokémon, faut que je regarde. On verra ça sur le prochain épisode. Donc là, je vais retourner au centre Pokémon et sauvegarder. Puis on va s'arrêter ici pour cet épisode. Parce que j'ai pas le temps de faire autre chose pendant ce temps-là. Donc, bah, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Ivasound sur les réseaux sociaux, vous avez le lien dans la description. Abonnez-vous hein, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis à la semaine prochaine. Ciao!